Eh bien, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui sur Forza Horizon 4. Alors, c'est vrai qu'en ce moment, on parle beaucoup d'Horizon 5 qui va arriver, si je dis pas de bêtises, début novembre. On m'a posé la question de savoir si j'allais à me le procurer. Alors, pour être honnête, j'avais répondu radicalement non, hein. Là, on a une version Gold que j'ai dû payer une cinquantaine d'euros. Elle était à moitié prix. Sans oublier que la version Gold de base, elle est 100 euros. C'est pas donné. Et vu le peu de temps que je passe dessus, bah je me suis dit honnêtement le 5 j'en vois pas réellement l'intérêt si c'est pour y jouer deux fois dans l'année. Mais il y a peut-être une subtilité qui va faire que je vais peut-être me le prendre. Elle paraît peut-être ridicule, mais c'est la conduite à droite. Parce qu'honnêtement l'Horizon 4 il est pas mal, il est assez complet je trouve, avec pas mal de bagnoles, ça en connaît un petit peu la licence Forza, mais c'est vrai que la conduite à gauche me dérangeait pas mal en termes de situation RP comme on peut retrouver IRL. Là la conduite à droite, puisqu'il faut savoir que ça se passe en Mexique, donc peut-être que je vais me le prendre, donc c'est pas sûr. J'ouvre rapidement une petite parenthèse. Récemment j'ai fait un live sur iRacing et je vous remercie énormément pour ça. Vous avez été nombreux à avoir signé présent. On continuera évidemment cette petite montée en classe. Et j'avais pu voir pendant que j'étais en course qu'il y avait une interaction sur les choix de chacun, Air Factor 2, iRacing et ainsi de suite. Une personne m'avait évoqué que Forza Horizon 5 serait le meilleur jeu au monde. Voilà, je fais rapidement une petite parenthèse. Libre à chacun d'apprécier un jeu à sa façon. Que par exemple quelqu'un qui recherche un jeu open world et qui aime que ce style de jeu va forcément valoriser un Forza contrairement à Assetto ou à iRacing. À l'inverse, quelqu'un qui va chercher plus la simu, s'abstenir du paramètre graphique, va aller chercher du iRacing, du Air Factor 2. Donc là l'idée c'est vraiment que chacun puisse respecter l'avis des autres. C'est pas parce que moi aujourd'hui je dirais que Air Factor 2 c'est pour moi l'une des simu les plus abouties que forcément j'ai raison. C'est reste mon propre avis et puis libre à chacun de pouvoir valoriser un petit peu son intérêt propre à chaque jeu. Voilà, c'était rapidement une petite parenthèse parce que vous pouvez voir que je suis passé sur l'une des simus réputée comme étant l'une des meilleures simus, à savoir iRacing, et aujourd'hui je vous fais une vidéo sur Forza. C'est que on va y trouver un plaisir différent, mais rien n'empêche qu'on puisse apprécier les deux pour des raisons bien spécifiques. Donc voilà, c'est une petite parenthèse que je tenais à mettre clair en commentaire. C'est important parce qu'on grandit, on vieillit, et puis l'idée c'est qu'on continue de partager cette passion qui est en règle générale la simu, mais aussi le plaisir de jouer à travers YouTube. Donc merci infiniment à ceux qui comprendront ce message dans ce sens-là plutôt que d'aller dans cette espèce de guéguerre enfantine. Bref, nous sommes sur Forza Horizon 4. Alors c'est une version Gold, donc j'ai, je pense, l'intégralité du contenu, mais j'ai découvert peut-être 10% du jeu. Donc l'idée c'est qu'on se fasse une petite balade. Je viens de lancer le jeu, donc je sais même plus où est-ce que je suis. Je sais même plus où est-ce que... Ah ben tu vois, c'était la RS6. Alors je sais même pas si c'était l'une des dernières voitures que je vous avais présentées en vidéo. Parce qu'honnêtement, j'y ai pas joué depuis. On va aller au garage, on va regarder ce qu'on va sortir pour cette vidéo d'aujourd'hui. Ouh, la petite Giulia Quadrifoglio. Qui est pas mal. Et c'est ça aussi, hein, réellement, à Forza Horizon, il n'y a rien à dire. C'est le contenu des bagnoles. Mais pour moi, aujourd'hui, il n'y a aucun jeu qui arrive au niveau de Forza en termes de contenu de bagnole, cette diversité de bagnole. Et c'est des bagnoles qu'on aimerait avoir vraiment dans n'importe quel jeu. Et qu'on serait amené à apprécier chacune d'elles, on va dire. On va peut-être se prendre un truc bien énervé. Pour ça va être pour Lucas. Il kiffe le Charger, tout ce qui est américain. Je suis pas très fan, moi perso. Je reste admirateur, mais je suis pas très fan. Putain, honnêtement, je sais même pas quoi prendre. On se commence. Ah, tiens, la Fortiera Cosworth. Allez, tu sais quoi, on va prendre ça. Nouveau en plus, je crois que je l'ai jamais testé. Boîte orage, normalement. Enfin, j'espère que je l'ai laissé en boîte orage parce que si je me souviens, il faut que je configure le jeu dans les paramètres pour indiquer que je passe en boîte orage. Ah, ok. J'étais juste tout simplement sur le mauvais profil. Mauvais profil, alors je crois que. Voilà, effectivement, j'ai pu résoudre ce petit problème. Alors, dommage qu'il n'y a pas le track IR qui fonctionne. Et ouais, donc je disais conduite à gauche. C'était vraiment chiant parce que IRL, évidemment, on roule à droite. Là, ça va être. Ok. Il a failli se faire faucher par un Golf 1, Golf 2, pardon. Golf 3, putain, je suis à l'ouest. Pourtant, j'en ai eu une dans ma vie. Golf 3, mon gars. Alors je crois que celle-ci est d'origine. Je crois que celle-ci est d'origine, ouais. On changera de toute façon de manuel. Après c'est dans Horizon 5, quand on regarde un petit peu l'ATH, c'est du kiff-kiff en fait. Ça me rappelle un petit peu les F1, les FIFA. C'est un peu toujours la même sauce. On a du mal à faire mieux.
ou du moins radicalement de changer, parce qu'on part déjà sur une base aboutie. Et ça, c'est souvent un peu compliqué pour des licences comme Forza. Putain, et c'est la deuxième Golf qui me coupe la route. Je sais pas si en Angleterre, on est peut-être pas pris haut, on va savoir. Ah oui, la petite aiguille de la pression de turbo, très bien. Et ouais, donc je disais, c'est un petit peu la même chose. Hein. Ils ont un jeu tellement bien abouti, qui fonctionne bien, que forcément, je pense qu'ils ont dû, ils auraient du mal, et ce serait peut-être à perte, de changer un petit peu les habitudes des joueurs, avec peut-être un nouvel environnement complètement différent, avec une politique qui va peut-être dérouter les habitués. Donc ils préfèrent partir sur une base sûre et puis changer de décor avec un nouveau pays et point barre quoi. Mais je pense que ça va être la même chose, ça va être je pense des courses et puis une réputation, enfin gagner du crédit et ainsi de suite. En fait on change juste de monde, c'est un peu comme le Call of hein. Là Vanguard pour vous dire, il va sortir au mois de novembre aussi. Il y avait la bêta qui était disponible sur PC et console. Et ben je vous jure que j'y ai même pas joué hein. Et pourtant vous le savez hein, je suis généralement à l'affût bêta ouverte pour le moindre Call of, puisque je reste encore un énorme joueur FPS. Et pour le coup, ils ont sorti Vanguard, ils l'ont mis en bêta. Et bah, quand je lançais Warzone, je te jure, il y avait écrit bêta ouverte et j'ai même pas cliqué dessus, je sais même pas ce qu'il vaut au niveau du gameplay. On en voit quand même. Hein. Et du coup, ça m'a pas intéressé parce que je voyais un petit peu le gameplay, c'était semblable à du World at War 2. Ça se passe pendant la Seconde Guerre mondiale, donc on verra. Je vais me les prendre, hein, ça c'est sûr, hein, je reste un pigeon quand même. Mais je vais pas prendre une édition de folle, hein, je vais prendre l'édition de base, mon gars. Et puis après, c'est pareil pour Warzone, un Battle Royale qui marche tellement que lorsqu'ils ont sorti Cold War, il n'y a même pas eu de Battle Royale à côté. Ils ont conservé Warzone. Et ils se sont dit, attends, Warzone a tellement bien marché en parallèle de Modern Warfare, il y a tellement eu de monde qui est venu jouer dessus, que ce serait quand même un gros risque de changer de map, de changer de manière de gameplay, enfin de gameplay en général. Autant le conserver et intégrer les armes de Cold War sur Warzone. Et ça c'est fort parce que la plupart des armes méta sur Warzone sont des armes de Cold War. Donc ceux qui n'ont pas Cold War malheureusement, et ils n'ont pas accès aux armes de méta du coup. Ils se font laver par des mecs qui malheureusement ont mis un billet pour avoir les armes de Cold War. C'est très malin. Businessment parlant, c'est très malin. Ça force les gens à devoir acheter. Le pay to win. Et c'est un peu malsain on va dire parce que ça donne un avantage à ceux qui l'ont acheté et pas à ceux qui l'ont pas acheté. Quoi. Et en plus de ça, pour être sûr de garder encore des joueurs sur les serveurs de Cold War, eh ben ils vont te mettre une arme méta Cold War et ça va te forcer à devoir jouer à Cold War pour monter ton arme au maximum. Je parle en connaissance de cause, mon gars. Il y avait des armes comme l'EM2, comme la DMR. À l'époque, DMR, elle était quand même fatale. C'était un peu cheaté. Tu mettais deux balles, c'était comme un fusil sniper. Moi, j'avais le rapid fire sur ma souris. Mon gars, je te disais qu'à les duels, à 100%, ils étaient gagnés. Donc DMR et puis d'autres armes, méta, bah t'es obligé de jouer à Cold War pour les monter, tu peux jouer à Warzone mais tu vas mettre une pige. Donc voilà un petit peu, je vous fais une petite. Je vous ai fait une petite déviation vers du FPS, mais le message il est là en soi, c'est vraiment un gros business leur truc. Hein. Donc Forza Horizon 5, ouais peut-être je vais peut-être me le prendre juste par rapport à la conduite à droite. J'ai vu un gameplay avec une espèce de Chiron. Sur l'autoroute, putain, ça défile. C'est vrai qu'ils sont assez forts hein, sur la sensation de vitesse. Je pense que Forza sont balèzes. Après, tout dépend de la vue, mais en vue extérieure, c'est juste dingue. Très dommage qu'il n'y ait pas de VR, qu'il n'y ait pas de prise en charge de triple screen. Alors, évidemment, quand je dis prise en charge de triple screen, c'est pour éviter la distorsion sur les écrans latéraux. Mais est-ce qu'on se finirait pas avec une petite Autobahn là? Mais pas de VR, c'est un peu dommage. Pourtant, Microsoft, mon gars, il y a du budget là. Hein. Ah c'est pas ouf comme gameplay hein. On a plus parlé qu'autre chose mais. Et en plus on a qu'une forte Sierra. J'aurais dû prendre un bordel mais bon histoire de changer un petit peu, il y a tellement de choix que peu importe le choix que tu prends,
Voilà, tu vois, ça c'est préparé, ça fait du bruit. C'est pas d'origine. Nous on est d'origine, mon gars. On voit de gauche, enfin voit de droite, on t'en a mal si on était chez nous. Et c'est plus plaisant. Parce que finalement, dès que tu commences à les préparer, tout le monde a le même bruit. Tout le monde a la même pêche. C'est moins intéressant. C'est comme Motorsport. D'ailleurs, Motorsport 8, c'est comment? Parce que là, Gran Turismo va sortir. On parle d'un Assetto Corsa 2. Donc là, il y a du contenu. Ça, on sait qu'il y a des mecs qui sont passés par là. Ah ouais, ça leur donne. Tu donnes 1000 chevaux à quelqu'un, c'est pas quoi en faire. On est avec notre petite Sierra, je sais pas combien de chevaux elle a, mais. Mouline, mon gars! En plus, je sais même pas si on est sur l'autoroute. Hein. Enfin, je crois. Ah ouais, 2,19. Sierra Turbo, il y a le frein, non, quoi. Ok, voie de 5, nice. Bon, elle est d'origine encore une fois. Elle fait un boucan quand même dans le tunnel. Elle est doux, hein. Et puis les routes sont très larges. J'aime bien, moi, les petites routes à l'échelle normale, quoi. Là, t'as rien, moi, ça. Deux voies, mais en quatre. Ouais, 2,25, hein, 2,27. Je pense 2,30. Alors, attendez, on va quand même se finir avec un gros bordel. Parce que ce serait quand même ouf de finir avec ça. Changer de voiture. On va aller chercher un truc qui marche d'enfer. Ou quoique, un petit truc énervé. Tiens, RS3 Sportback. On va finir avec ça. Piloter la voiture. Voulez-vous faire livrer? Ouais. J'espère que je suis pas. Spawn à l'autre endroit là. J'ai commencé la vidéo. Nice. Putain, elle est pas mal, hein. J'ai ce même modèle. Alors évidemment en diesel, hein. En 2 litres. Mais Sportback aussi. C'est de la bonne caisse. Et comme c'est une petite finition S-Line, on croit que c'est un RS, mais pas du tout. D'ailleurs, je reçois la calandre RS normalement dans la semaine. J'ai mis la même chose quasiment que le S5. Sauf que moi j'ai un véritable S5, mais le R3 là. La calandre de base elle est dégueulasse. Donc je lui ai dit, vas-y, un petit nid d'abeille, ça va le faire. Et comme elle est full black la bagnole, il me manquera juste à changer le logo à l'arrière, Audi en noir. Et ça passe crème. Alors dommage qu'ils n'ont pas mis le compteur digital au milieu. Parce que de base, ça a 265 chevaux. Après, je crois que t'as des versions à plus de 300, 367 si je dis pas de bêtises. Oui, bah oui, le RS3, bah oui. C'est la S3, pardon, qui a 265. 265. D'origine, hein? Ah ouais, j'aime bien le bruit. Ouais, le son. Ouais, on va dire à peu près dans les 2,80. Parce que là, ça monte un peu. Tu vois, la sensation de vitesse, elle est folle. Hein. En triple screen, c'est juste fou, honnêtement. Et encore une fois, on a cette espèce de fisheye complètement étiré sur le côté. Mais ça fait le job, pourquoi? Parce qu'on a déjà la vue sans le volant, donc en triple screen c'est vraiment le fou. Là, je te jure, j'ai kiff le pare-choc, évidemment c'est pas le même. Non, je suis con. Mais non frère. Parce que évidemment le... Pour regarder à gauche c'est le frein à main, en même temps je suis con. Et là, tu vois, dès que je regarde à droite, pardon, pas à gauche. Très bien. Ah oui, bah oui, au final, c'est soit méca, soit palette. Celle-là, c'est aux palettes.
Bon, voilà les frérots, un petit run avec cette Audi RS3. Donc on a tapé quasiment les 2,80, hein, mais tout est d'origine, donc ça c'est plutôt cool. Et puis je vais encore cogiter de savoir si je vais me prendre le 5 ou pas. On regardera peut-être quelques gameplays avant. Bon là, il y en a un certainement qui veut s'amuser avec moi. Non mais, putain, je suis con. Mais j'ai pas la patate pour, donc je pense qu'il va me laver. Il a encore dû sortir un gros bordel à 1000 chevaux. Le même moteur que toutes ces bagnoles, quoi. Zéro charisme. Bon, j'espère que cette vidéo, où j'ai beaucoup discuté, vous aura plu. Et puis, si vous avez des choses à partager complémentaires dans l'espace commentaire, libre à vous de pouvoir échanger en toute cette vidéo. Et puis, moi, je vous retrouve très vite pour une prochaine vidéo. D'ici là, à nous, ça vous les frérots. Je vous fais de gros bisous. Ciao, ciao tout le monde. Ah bon?